remember when we were out last week? I met this girl. Yeah, what about it? Well, she blocked me on Tinder. What? 7 days since she left, I'm still amazed. The way she dressed, I mean, woof, the way she smelled made my every cell scream rum bum bum bum. Huh. Who knew a Tinder date could make me feel this way? Now I'm in love and I'm ready to play. Wrote her a text like, hey baby, do you wanna hang out? But then she goes. Everyone, bienvenue sur ta chaîne de Gracia Manucure. Aujourd'hui, je vous fais la revue de Curl La La juste après avoir utilisé mon shampoing. Alors, je suis fan de ce produit pour son odeur. Ça sent super bon. L'odeur est à tomber, franchement. Si c'est juste pour ça, je le mettrai tout le temps sur ma tête. Je tiens à te remercier d'être tombé sur cette vidéo et aussi à t'inviter à me suivre sur Instagram si c'est pas fait. Vas-y là-bas, on a plein d'interactions, on pourra partager plein de trucs et aussi à t'abonner sur la chaîne. Alors, mon type de cheveux, c'est un type de cheveux crépus 4C. J'ai divisé mes cheveux en 4 sections pour faire le traitement en twist out. J'avais besoin de changer un peu le type de traitement parce que d'habitude, je mets sur chaque section comme ceci. Je masse et ensuite, je laisse sécher à l'air qui boucle plutôt bien mes cheveux et qui les fait briller. Ça, si vous voulez une autre démonstration sur une prochaine vidéo, je vous en ferai. Et ici, j'ai voulu faire la démonstration avec des twist-outs parce que c'est vraiment pour donner mon avis par rapport aux boucles ou aux curly que je souhaiterais obtenir. Donc c'était vraiment un test. Alors pour son utilisation, moi je conseille de le faire toujours après un shampoing. Voilà, je mets pas d'après shampoing moi lorsque je mets le Curl La La parce qu'il boucle bien les cheveux. Mon cuir chevelu est pratiquement bien cuivré là. Hein. Et ce qui est bien surtout lorsqu'on fait des chignons, tout ça, moi ce que j'aime aussi c'est les ondulés, les waves. Je vous montre un peu le type de boucle que j'obtiens au niveau de la pointe lorsque je fais mes twist out. Je boucle la pointe toujours pour éviter les fourches et pour que ça soit aussi nourri à la pointe. So don't let me go, nah, 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 nah. I'm all up in that love haze. So where do we go, nah, nah? Just let me know that I am safe. Here in your arms, I wanna stay, stay. I'm slipping away. So don't let me go now. Your love is exceptional. It fills me up. Bon, faut savoir que le Curl La La n'est pas une pommade, c'est vraiment un gel crème coiffant. Je sais pas si ça existe, mais c'est vraiment le terme que j'utiliserai pour la texture, pour vraiment faire briller le cheveu. Et particulièrement sur mon type de cheveux 4C ici, ça fonctionne plutôt bien. Après, ce n'est pas le meilleur, la meilleure crème coiffante que je mettrais tous les jours, non pas du tout, parce que j'utilise ça lorsque mes cheveux sont humides, sont voilà un peu mouillés, pas très secs non plus. Parce que lorsque c'est sec, j'ai l'impression ça laisse du blanc et ça peut laisser un peu de granulé aux doigts et le temps que ça sèche sur les cheveux, tout ça, faut avoir beaucoup de patience. Donc c'est vraiment, à mon avis, c'est important de l'utiliser lorsque les cheveux sont humides, sont mouillés. Vous mettez un tout petit peu de brume, de spray sur le cheveu avant de l'appliquer. J'aimerais savoir aussi si tu as déjà utilisé ce type de crème coiffante, ce type de gel coiffant sur ton type de cheveux. Dis-le moi en commentaire. Et si tu ne t'es toujours pas abonné, n'hésite pas de le faire. Mets un petit pouce pour m'encourager et partage. Une sœur m'a demandé pour lui conseiller sur les produits pour cheveux. Sachez que je n'ai pas de conseils parce qu'on a plusieurs types de cheveux différents malgré dans nos cheveux crépus. Ou si vous souhaitez plutôt voir les produits que moi j'utilise pour mon type de cheveux, clique sur le i directement, ça t'apportera sur la vidéo de tous mes produits. Vraiment, vous allez voir mon stock de produits. N'hésitez pas de regarder en barre d'infos, le lien y est aussi. Le lendemain, donc, je vais défaire ma coiffure protectrice pour les twist out. Je vais les défaire. Je vois vraiment l'élasticité de la texture de mon cheveu qui a pas mal changé. Alors là, je vois déjà le type de boucle que ça donne sur mes twist-out. Je me dis, ben, on va voir qu'est-ce que ça va donner par la suite. Ici, chez moi, je trouve que c'est un peu raplapla. Tout dépend vraiment du type d'obtention que tu souhaites. C'est vraiment une démonstration pour vous montrer qu'est-ce que ça donne sur mes cheveux, sur mon type de cheveux. Après, la brillance y est. Mais au niveau du volume là, sur mes cheveux, j'estime, en conclusion, sur cette vidéo, que ça n'a pas vraiment donné du volume aux boucles que je souhaitais obtenir sur ce type de traitement là. Mais c'est déjà plutôt pas mal. Mais dites-moi qu'est-ce que vous en pensez. Coucou ma soeur qui a des cheveux crépus et qui se casse assez vite, je voudrais te dire tout simplement que il faut faire des soins hebdomadaires. Chaque semaine à base d'huile végétale, des soins à base de mayonnaise, de protéines, tout ça, des trucs hyper basiques avec de l'huile de coco, de l'huile d'olive, de la mayonnaise, des œufs, des jaunes d'œufs, de l'avocat. Tout ça, ça aide vraiment à éviter la casse le plus possible lorsqu'on a des cheveux très crépus. C'est très important de faire au moins un soin une fois par semaine ou toutes les 2 semaines. Mais vraiment régulièrement. Et à force de répétition, vous allez voir, vos cheveux vont s'adapter. Vous allez voir, ça va devenir beaucoup plus malléable. J'espère en tout cas que j'ai pu répondre brièvement à ta question. Et si tu souhaites plus de renseignements précis par rapport à cette question, n'hésite pas à aller voir en barre d'infos. Tu verras la vidéo appropriée qui va t'aider directement à comprendre ton type de cheveux. Si tu as des cheveux très crépus, vas-y en barre d'infos, tout est en description. Et voilà le résultat de mes boucles. Dites-moi en commentaire, les filles, s'il vous plaît, si vous aimez ce type de bouclette, comment vous trouvez? Est-ce que vous pensez que ça va? Voilà. Moi, j'ai plutôt aimé. Je dis bien plutôt parce que ces ondulés-là sont fort serrés. J'ai pas l'habitude, peut-être aussi, parce que Curl La La, j'ai utilisé ça beaucoup plus en été. Donc, c'était très bien pour l'hydratation de mon cheveu. Et je tiens à te remercier d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin, d'être là. Merci pour vos commentaires. Explosez la barre des likes. Je vous fais de gros bisous et je vous retrouve donc sur une prochaine vidéo. Bye!